On dirait un croiseur japonais de classe Jungwei escorté par un destroyer nord-coréen. La situation en mer Jaune a empiré aujourd'hui quand des navires nord-coréens et chinois ont arraisonné un cargo japonais. Le gouvernement nord-coréen n'a fait aucune déclaration et l'ambassadeur reste injoignable. À l'ONU, Long Dan, l'ambassadeur de Chine, a demandé aux États-Unis et au Japon de rester calmes, voyant dans ce blocus une réponse légitime à ce que l'ensemble de l'Asie considère comme une possible remilitarisation du Japon. Ce blocus est un acte de guerre. Le NSC réfléchit au problème tout en envoyant l'USS Walsh de toute urgence. Le Walsh est le bateau espion le plus moderne qui soit. Mon meilleur homme est à bord. Regardez, les navires chinois et nord-coréens en manœuvre ensemble. Il fallait s'y attendre. C'est un prototype 056. C'est bien ça. Vous éménagez ? Surtout en eau trouble. Bien ! Parce que le prototype 056 n'est pas le seul piranha là-bas. L'amiral Toshiro Otomo, chef de la nouvelle force de défense japonaise, l'ISDF, a déclaré : Nous voyons là une nouvelle tentative de la Chine et de la Corée du Nord pour affaiblir plus encore notre économie, l'ISDF. Et le Japon demande à leurs alliés de nous apporter le soutien militaire promis par la constitution d'après-guerre de l'an. Reste que, de l'avis de beaucoup de gens en Asie, l'ISDF elle-même est une violation de la constitution d'après-guerre, interdisant au Japon de se doter d'une armée capable d'intervenir hors de ses frontières. En Asie, le souvenir de la guerre est toujours vivace. Sont passés de... C'est vrai, ça fait un bail. Heureux de vous voir. Où y est votre petit nid? Merci. Une cabine vous attend au château avant. Vous êtes ici chez vous et personne ne saura que vous êtes là. Fisher, un ingénieur américain du nom de Bruce Morganholt a été enlevé par un groupe séparatiste péruvien, La Voix du Peuple. Le chef soupçonné de ce groupe, Hugo Lacerda, est un révolutionnaire extrémiste prêchant la guerre de l'information comme seul moyen de réussir une révolution dans notre monde moderne. Allez là-bas et récupérez ou détruisez les renseignements que Morganholt a pu être obligé de divulguer. Si possible, libérez-le lui aussi. Et Lacerda figure sur la liste de vos cibles d'opportunité. Si jamais vous avez la possibilité de l'abattre, n'hésitez pas. En temps normal, le sauvetage des otages n'est pas notre spécialité, mais Morganholt fait partie du projet Watson, le comité américain qui a étudié les travaux de Philip Mass suite à la crise georgienne. Certaines personnes s'inquiètent que cet enlèvement ait pour seul but d'interroger Morganholt au sujet des noyaux de Mass. C'est vrai que les inventions de Mass peuvent causer de terribles dégâts, alors à nous de veiller à ce que ces informations ne soient pas divulguées. L'objectif est un phare relié à un fort abandonné datant de la colonisation espagnole, ainsi qu'à quelques autres bâtiments. Nous ignorons l'endroit exact où se trouve Morganholt, alors à toi de le trouver. L'insertion se fera de nuit par Zodiac.
Tu arriveras sur la plage au pied du fort. L'imagerie thermique indique la présence de grottes, naturelles ou non, sous le fort. Tu pourras t'en servir pour t'infiltrer dans le bâtiment. Bien, Fisher. L'hélicoptère va vous larguer à quelques kilomètres de la côte avec le Zodiac. Votre extraction se fera par hélicoptère au sommet du phare. Wright Pritchard Technologies a passé contrat avec Displace International afin de protéger ses VIP en cas de problème. Nous avons mené l'enquête sur leur projet au Pérou et récupéré tout ce que nous avions sur Morganholt. Les types qui l'ont attaqué savaient ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas là pour enlever un touriste. J'ai perdu 3 hommes dans cette affaire, et j'ai préparé un plan de secours qui attend l'approbation de Wright Pritchard et de la famille de Morganholt. Ça va coûter cher à Displace International. J'ai entendu un coup de feu, Fisher. Tout va bien ? J'arrive, Lambert. Et quand je pense guérilla, le mot qui me vient à l'esprit, c'est Kalachnikov. Que voulez-vous dire ? Juste qu'on m'a suffisamment tiré dessus avec un AK pour savoir que ce n'en était pas un. D'accord. Voyez si leur équipement sort de l'ordinaire et tenez-nous au courant. On ne risque rien. Où tu vas? Fais gaffe, c'est peut-être dangereux. Ne sois pas bête. Les vieilles grottes sont souvent dangereuses. Je ne vais pas plus loin. Très bien, fais comme tu veux. Ok, moi je reste ici pour profiter de la vue. On ne t'a jamais dit que la spéléologie était dangereuse. Oh non! Vous allez me tuer, n'est-ce pas? Seulement si tu prononces le mot singe. Bon, apprends-moi un truc intéressant. On a des tas de munitions et des fournitures médicales. Fouillez le fort, vous verrez. Vous êtes vraiment serviables, les gars. Pourquoi a-t-il fallu que vous soyez du côté des méchants? C'est vous les oppresseurs américains, c'est vous les méchants. Alors tu comptes dire singe ou non? Hein? Non. Alors on va en rester là. Ne me tuez pas, je vous en supplie. C'est tout ce que je sais, je le jure. Joli calibre. Tu l'as eu où? Oh, Seigneur, je ne sais pas, vraiment. Mauvaise nouvelle pour toi, alors. Si je savais, je vous le dirais, promis. Ne me tuez pas. D'accord. Si tu ne sais pas d'où viennent les armes, apprends-moi au moins quelque chose d'utile. Je sais. Morganholt. C'est pour lui que vous êtes là, non? Il est dans la pièce droit devant. Ils sont en train de le torturer. De le torturer, tu dis? Merci du renseignement. De rien.
On dirait que vous aviez raison pour ce qui est de leur équipement, Sam. Ouais, ces types ont un sacré équipement high-tech ici. Essayez de découvrir où ils l'ont obtenu. S'il y a des codes-barres sur ces caisses, vous devriez pouvoir les scanner à l'aide de votre EEV. Le code-barre est le premier d'une série de 5. Trouvez les autres. Je ferai de mon mieux. Qu'il en a assez? Il en aura assez quand tu l'auras parlé, pas avant. Comment tu veux qu'il fasse? Ça fait une heure qu'il ne dit plus rien. Peut-être qu'il fait semblant. Seigneur! Si. Je parie qu'il fait semblant. Semblant de quoi? Sa langue est un bout de charbon et son cerveau... Assez. Envoie-lui plus de courant, Saul. On est déjà au maximum. Quoi? Je vais chercher une autre batterie. Qu'est-ce que t'en dis, amigo? Tu veux une autre batterie? Hé, petite minute, il a... Ses oreilles, elles commencent à fumer. Je crois que je vais être malade. On dirait qu'il est mort. Je connais le moyen de m'en assurer. Je vais faire un tour. Je n'entends pas grand-chose, Fisher. Le son, ce n'est rien. Le pire, c'est l'odeur. Vous êtes sûr qu'il est mort? Au moins autant qu'Elvis. Bien. Laissez la dépouille. Il faut essayer de récupérer le compte-rendu de son interrogatoire. Grimm vous rappelle. D'emblée, ta tête ne me revient pas, alors n'en rajoute pas. Qui êtes-vous? La ferme. Pourquoi avez-vous torturé Morgenholt? La Cerda nous a dit de le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Un truc mathématique pour programmeur. J'ai pas pigé. Toi, t'es juste du genre débile qui aime faire du mal aux autres. Hein? Oui, je crois. Tu peux trouver une bonne raison pour que je te laisse continuer à vivre? S'il vous plaît, je... Moi non plus. On n'avait pas le choix. Je vous ai dit de le laisser, Fisher. Nous ne pouvons pas procéder à son extraction. C'est pas parce qu'il est mort que je vais l'abandonner là comme un quartier de viande froide. Attention aux émotions, Fisher. Restez rationnel. 30 secondes pour un peu de dignité. C'est pas cher payé, non? Fisher, c'est Grimm. Il faut nous assurer que ce que Morgenholt a pu leur dire au sujet des algorithmes de masse ne quittera jamais ce site. D'accord. J'ai détecté une connexion sans fil en provenance du technicien qui a quitté la pièce avant ton arrivée. Autrement dit, je dois récupérer les données qu'il a peut-être téléchargées sur leur serveur. Exactement. On dirait que le camp des guerrieros est on ne peut plus temporaire. Ils ne doivent pas avoir de système d'alarme. Bien. Salut, toi. Belle prestance. Je suis loyal. Vous ne tirerez rien de moi. Vraiment? On dirait que tu as oublié de te raser ce matin. Attends,
Je vais t'aider. Eh, ça va pas? Qu'est-ce que vous faites? Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je cherche Lacerda, c'est un méchant garçon depuis quelque temps. Si c'est ça, vous perdez votre temps. Il est parti en bateau il y a une heure. Il pourrait être n'importe où maintenant. Dans ce cas, je vais devoir le suivre. Mais il ne m'échappera pas, ne t'inquiète pas. Je pense que ça confirme, Fisher. Oui, Lacerda est parti depuis longtemps. Ne vous préoccupez pas de lui. Nous allons essayer de le retrouver grâce à Echelon. Nous vous tenons au courant. Et voilà. C'était l'avant-dernière case, Fisher. Il n'en reste plus qu'une. Le bateau a réussi à filer? Si. Ça fait un petit moment déjà. Combien d'hommes sont partis avec? Lacerda et quatre camarades. Ça ira pour monter la garde avec quatre hommes de moins? Personne ne passera, jefe. Je pense que ça confirme, Fisher. Oui. Lacerda est parti depuis longtemps. Ne vous préoccupez pas de lui. Nous allons essayer de le retrouver grâce à Echelon. Nous vous tenons au courant. Pourquoi avez-vous torturé Morgenholt? C'est Lacerda. Il voulait un algorithme. Un algorithme informatique. Pourquoi est-ce qu'un révolutionnaire de seconde zone s'intéresse à un algorithme informatique? J'en sais rien. Je suis même pas sûr que Lacerda le sache. Je crois qu'on bosse pour quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne sais pas, mais Lacerda, il a passé beaucoup d'accords ces temps-ci. Il se passe quelque chose. Mais tu ne sais pas à qui il a parlé? Non. Alors tu ne me sers plus à rien. C'est sur ce serveur que le technicien a téléchargé le compte-rendu de l'interrogatoire. Tu dois y accéder. Beau travail, Fisher. Cela a effacé toutes les infos que Morgenholt a pu leur communiquer. Ils ne risquent pas de se demander ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, nous sommes bien équipés. J'ai fait en sorte que ton intrusion ressemble à un problème d'allocation de mémoire. Quand les Américains ont envahi la Grenade en 1983. Mon père était militaire. Quand il a compris qu'on ne gagnerait pas, il nous a conduits dans les montagnes, avec d'autres familles de soldats. Et les Américains nous ont rattrapés par une nuit d'orage. Une nuit comme celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont attaqués dans les noirs. On ne les avait pas vus ni entendus. Ils se sont mis à tirer à chaque coup de tonnerre. Les cadavres tombaient par dizaines. Et t'as survécu? Ils ont épargné les femmes et les enfants. Ce ne sont pas des bouchers. Mais depuis cette nuit, j'ai peur chaque fois que j'entends les tonnerres. Tu vas finir par me flanquer la trouille, à moi aussi. Je sais. Mais comme je te l'ai dit, ce ne sont pas des bouchers. Leur meilleure arme, c'est la peur. Et elle n'affecte pas les morts. Les secouristes volontaires veulent...
Ah, je savais que vous viendriez. Pardon? Toute ma vie, j'ai attendu votre venue dans le tonnerre pour que vous finissiez ce que vous aviez commencé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes l'un d'eux, ces Américains qui ont massacré ma famille, et vous êtes revenu m'achever. Ah bon? Allez-y. J'ai toujours su que ça finirait ainsi. De toute façon, je m'y suis préparé depuis longtemps. Tu me flanques la trouille, petit. Tu es moi. J'ai tellement envie de revoir les miens. Beau travail, Richard. Grâce aux infos que vous avez récupérées au sujet de ces caisses, nos hommes devraient être plus en sécurité face à ces types. Et pourquoi on ne fait jamais rien pour que ce soit moi qui sois plus en sécurité? Si vous voulez, je peux engager d'autres analystes pour interpréter les infos dont nous disposons. À la réflexion, je préfère le danger. Qu'est-ce que tu fabriques? Seigneur, qui êtes-vous? J'en ai marre d'entendre cette question. Si tu répondais plutôt à la mienne. J'essaie d'accéder au câble électrique du phare. Pourquoi? L'alimentation du serveur principal de la tour sud-ouest n'est pas stable, et il faut protéger nos données. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je me suis déjà occupé des données de ton serveur. Oh non! La Cerda va me tuer! N'est pas de lui que tu devrais avoir peur, mais de moi. Evening Star, Omaria Narcisa, répondez. Evening Star, Omaria Narcisa, répondez. Oui, Omaria Narcisa, je vous écoute, Evening Star. Cargaison reçue, Maria Narcisa, tout est OK. L'équipage est de retour à bord, et nous nous éloignons du phare, Evening Star. Bien compris, Maria. Maria Narcisa, terminé. Maria Narcisa. Tu essaies encore de me faire sortir avec une de tes copines? Le Maria Narcissa est un bateau. Et la dernière fille que tu m'as présentée était un thon. Ça colle. Fisher. Désolé. Le Maria Narcissa est un cargo appartenant à Celestinia INC, compagnie de transport portugaise enregistrée aux Philippines. Transport maritime dans le Pacifique. Pas beaucoup de précision. Ça a l'air louche. Oui. Et on dirait bien que je te prépare un nouveau rencard, finalement. Je meurs d'impatience. Vous avez rempli vos objectifs principaux, Fisher. Nous pouvons procéder à votre extraction dès que vous serez prêt. Envoyez le signal pour que l'hélicoptère vienne vous chercher en haut du phare. Mais coupez d'abord la lumière. D'accord.